Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée d'épreuve qui attend nos équipes du grimpe. Aujourd'hui, nous sommes à la citadelle de Namur, en Belgique toujours. Donc ici, ils ont 4 épreuves, d'accord? 4 épreuves. Ils vont commencer par cette épreuve, donc c'est l'épreuve numéro 1. Il y a une victime en bas, d'accord? Il y a une victime en bas. Le sauveteur descend, il passe sur le tube, je sais pas si on le voit très bien, je vais vous le montrer. Descend dans le tube, d'accord? Il arrive au niveau de la victime. Ensuite, il y a le brancard donc, qui descend. Ok, le brancard descend dans le tube, la victime sera positionnée dans le brancard, la victime devra passer avec le brancard, donc la barquette dans le tube, remettre à l'horizontale et remonter la victime jusqu'en haut. Voilà, ça c'est la première épreuve. Donc après il y a la 3 autres épreuves sur toute la journée, ça va encore être une longue journée qui attend nos équipes du grimpe, mais ils sont chauds, ils sont concentrés et ça va bien se passer. Donc là il y a le, vous voyez, je sais pas si on voyait la barquette qui descend, je vous montre ça tout de suite. Écarte-la, pousse-la, GG. Yes, c'est passé. Vas-y. Allez, 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 allez. Allez, impeccable. Allez, les gars, allez, 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 allez. Au sol, allez, au sol. La victime sera positionnée dans le brancard. Ensuite, il va falloir remonter par là, donc passer la victime à la verticale par le tube et après remettre la barquette à l'horizontale pour monter. Voilà, c'est encore une épreuve très technique. Là, l'équipe du 10-57 a terminé sa manœuvre, juste là. Et pour vous montrer un peu la technicité, donc là c'est les Finlandais. Donc voilà, vous voyez, autour de l'arbre, l'ancrage. Donc voilà, ils sont descendus par là. La manœuvre de ouf. Et ils s'en sont bien sortis, donc ils sont contents. Donc ça c'est cool. Voilà, donc après il faut tout ranger, tout plier, bien ranger surtout. Pour pouvoir remanœuvrer dans de bonnes circonstances. Donc ça c'était la première manœuvre, voilà, il en reste encore 3. Donc la journée ne fait que commencer. Et ça va être une bonne journée. Donc là c'est la deuxième manœuvre de la journée. Donc là ils font le briefing. Ils expliquent un peu ce qui va se passer. Donc la particularité, donc, tu connaissais la victime, tu lèveras la civière, là il y aura un check dans un premier temps. Ensuite il faudra verticaliser, ok, pivoter la civière, la passer, que toi tu passes aussi, tu remontes et le plus rapidement possible, on horizontalise de nouveau, d'accord? Il y a deux difficultés, il y a une première casquette à passer,
Donc il faudra vraiment que tu puisses écarter la civière pour éviter que la civière reste collée sous la casquette. Et deuxième casquette, on fera comme tout à l'heure, je mets un équipier avec toi, au bide. Donc toi tu passeras sur une corde d'équipement, le deuxième équipier sur une deuxième corde d'équipement. Et en fait on a un petit balcon de 1 mètre, 1 mètre 20 à passer. Donc deux équipiers au bide, on la passe comme ça, toujours en gardant la corde de traction principale tendue. On pose sur le sol, d'accord. Le chrono s'arrête quand la victime est au sol et l'ensemble des équipiers est remonté au sol, sur le toit. Ça marche? Le chrono démarre quand on est prêt à partir. Ok? Voilà, la manœuvre 2 a commencé. Donc je vais descendre pour pouvoir sortir le drone afin de pouvoir les filmer au mieux. J'ai pas tout compris ce qui allait se passer. Mais bon, on va suivre ça ensemble et ça va être pas mal. En tout cas, le chrono a commencé et là, la manœuvre a bien commencé. Bon, j'ai compris ce qui se passait. La victime est ici. Hop, ils vont passer entre les deux piliers. Du coup, mettre la victime dans la barquette, c'est ça? Ils vont te mettre dans la barquette et après ils vont passer la victime comme ça à la verticale, la mettre à l'horizontale et monter. Comme ça, ça a l'air simple, mais je pense que c'est quand même technique. Ouais, je vais me poser là-bas pour filmer avec le drone. Contact victime. Voilà, donc le sauveteur vient de passer entre les deux piliers là. Et du coup, maintenant, il va s'occuper de la victime qui vont devoir descendre la civière. La passer, voilà. Voilà, donc ils ont remonté la victime ici. Geoffrey le sauveteur, ça a été? Oui, ça a été. Ouais. On a fait une belle petite sortie, ça va. Cool. C'est bien. Bravo les mecs. Donc voilà, la deuxième manœuvre est terminée, donc ça s'est bien passé. Voilà, maintenant on va aller sur la troisième manœuvre. Donc après, on aura une quatrième en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est une très très grosse journée, encore comme hier. Mais bon, l'équipe est vraiment au top, ils sont au taquet. Et tout se passe bien pour le moment, donc c'est cool. Donc là, c'est le briefing de la troisième manœuvre. Voilà, les épreuves s'enchaînent. Là, ils vont aller de l'autre côté. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, là, la victime, elle est en bas. C'est toi qui peux aller de l'autre côté. On a des piquets US. Ouais. Biangulation sur les piquets US. Ouais. Ok. Pour suivre le chemin, c'est la rue Balise. Tu descends là, tu fais le tour, t'arrives en haut. D'accord.
quand c'est bon pour toi, et de toute façon jusqu'à la radio, tu me dis et on t'envoie la patate. Bon. Du coup, on a notre victime qui est ici. L'équipe, elle est là. Donc il y a un équipier qui est parti là-bas derrière. Après, ils ont envoyé donc une corde pour l'attendre ici. Donc ils vont envoyer le brancard là. Et donc là, on peut voir une autre équipe qui manœuvre, descendre le brancard ici pour atteindre la victime. Voilà, donc c'est ça la manœuvre, la troisième manœuvre. Donc, bien sûr, la première chose qui a été faite, c'est de descendre pour accéder à la victime. Donc là, on a déjà un équipier qui est descendu pour aller effectuer les premiers soins s'il y a lieu à la victime et surtout pour la prendre en charge quoi. Donc après c'est un système de poulies en fait. La victime sera remontée et sur une poulie elle sera ramenée jusqu'ici. Voilà, la manœuvre est terminée et l'équipe range le matériel. Quatrième et dernière manœuvre, la victime est dans la voiture et les sauveteurs doivent descendre de tout là-haut. Descendre. Je crois qu'il y a un docteur qui descend avec le sauveteur. Et après, ils vont s'occuper de la victime, mettre sur le brancard et monter tout ce petit monde en haut. Vous voyez là, ils sont en train de faire remonter la victime. Et après, il faut monter tout en haut. Cette manœuvre elle est longue et puis elle est physique surtout parce que c'est tout en pente là-haut, il faut tout remonter jusqu'en haut. Voilà, là il y a le sauveteur qui descend ici avec donc, le docteur, donc ils vont descendre tous les deux là et ils vont s'occuper de la victime. Donc juste avant il y a un sauveteur qui est descendu en premier pour prendre contact avec la victime et là c'est le deuxième sauveteur qui descend donc avec le docteur. Thank you.
doucement, doucement, regardez. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et voilà, c'est ainsi que se terminent ces 3 jours du Grimp Day. C'était vraiment une compétition de dingue. Je connaissais pas du tout le grimp en fait. Les manœuvres sont vraiment extra extra ouf en fait. Et waouh! Bravo à toutes les équipes, ça m'a bluffé vraiment. Bravo à l'équipe bien sûr 57, ce que j'ai suivi pendant ces 3 jours. Ils ont été au top et merci pour leur accueil parce que j'ai intégré leur groupe, je faisais partie de leur groupe. Vous m'avez accueilli comme si je faisais partie de votre famille, c'était vraiment vraiment sympa. J'espère revenir l'année prochaine, je vous l'avoue. Et puis voilà, on ne sait pas encore le classement. Le classement, on verra ce soir. En fait, ce soir à 20h, il y aura le gros débriefing avec le classement, tout ça, et puis la soirée, bien sûr. Parce qu'il est temps de boire quelques bières après ces 3 jours de folie. Et puis voilà, donc j'espère que ces vidéos vous ont plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis mettez-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je vais essayer d'en faire d'autres, bien sûr. Faire d'autres événements de ce genre, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, moi je kiffe, voilà. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé le grimp. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je ferai pour conclure ce grimp day. Eh ben, fatigant. Content de la deuxième journée. C'est pas chose faite hein, par rapport aux épreuves qui étaient annoncées. On a carburé là avec l'équipe. Bien, c'est la quatrième là, ça commence à être un peu rodé. Ils ont quand même des bonnes surprises, ils sont forts les organisateurs. À l'année prochaine, bien sûr. Lolo, petit mot de la fin. Petit mot de la fin, je suis content de l'équipe, je suis content de moi-même, je suis heureux d'avoir participé à ce Grimp Day. Très technique. Mais pour contre, si l'année prochaine ils prennent pas le trail électrique, je pense pas que je vais venir. C'est toi le trail électrique. J'en ai toi, la machine. On avait 2 marmules aujourd'hui, on avait Marco et Lolo. Les 2 marmules du groupe. C'était les treuils électriques. C'était nos treuils électriques. Donc il se peut très bien que l'année prochaine l'organisation décide de les bannir. De les bannir, voilà. On aura plus le droit à nos Lolo, plus le droit à nos Marco. On sera obligé de prendre des. Et toi, qu'est-ce que tu dis en conclusion de ce Grimp Day? À l'année prochaine, surtout. Moi, j'ai quand même envie de dire une dernière chose. Vas-y, profites-en. C'est que on a notre conseiller technique et notre adjoint conseiller technique qui nous ont manqué. Voilà. Une petite larme pour eux. Ouais, c'est vrai, on a une grosse pensée pour eux. Grosse pensée pour eux. On leur dira. Voilà, victime, hein. C'est mes sauveurs. Et c'est les sauveurs. Je les aime. Donc, voilà. Ils ont assuré grave. Donc elle, Virginie, elle a ramassé parce qu'elle a fait toute victime des 9 manœuvres. Ça, non, 8 manœuvres. Ouais, je fais toutes les manœuvres. De toutes les manœuvres. Et puis voilà. T'as fait des accidents de voiture, des accidents de chantier, des accidents de. Et à chaque fois, ils m'ont récupéré. Et à chaque fois, t'es saine et sauve. Un petit beau pour conclure ce Grimp Day. C'était ma première participation. Ouais, je suis vraiment content. C'est génial. Je suis mort hein, aussi, mais je reviendrai en tout cas, avec plaisir. Cool. Ah oui. Excuse-moi. Et surtout, à l'année prochaine. La photographe officielle, contente? Ouais, très contente. J'ai pu faire des jolies photos, donc ravie. La pluie était un peu gênante, mais sinon... Ouais. Yeah. Est-ce que t'as un mot à dire? Y'en a marre, toi t'en as marre, y'en a marre là-bas. Donc Mars, lui, il a fait l'accent belge pendant ces 3 jours. Tout à fait, parce que nous, il faut prendre l'accent du pays pour se mêler aux autochtones. Et que voilà, comme ça on se fond dans la population et ils nous confondent avec les autres et on passe inaperçu, on peut faire des conneries, ils nous prennent pour des bombes. Donc voilà, vous l'avez compris, il y avait une putain de bonne ambiance. Et les autres équipes c'est pareil, tout le monde est content, c'est terminé. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain. Moi je vais célébrer ça avec la team 57. Ciao.